Capricorne, c'est parti pour votre tirage sentimental du mois d'août. Allez, on est parti avec l'oracle des 7 énergies. Alors, les Capricornes, je vous fais un petit mot, même si vous n'étiez pas... Vous n'étiez pas concerné parce que c'est pas sur votre signe que c'est sorti, mais j'ai une personne qui a très mal pris le fait que je dise aux Scorpions, en l'occurrence, ils étaient chiants. Alors, le politiquement correct, ça commence à bien faire, mais néanmoins, apparemment, j'ai blessé cette personne en le disant, et c'était pas mon but. Vous savez que je suis quelqu'un de bienveillant et je suis pas là pour vous insulter ou pour vous dire voilà. Simplement, j'ai un franc-parler. Je suis quelqu'un qui dit des gros mots, voilà. Je ne changerai pas. C'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être. Si ça ne convient pas, je peux l'entendre, mais je ne changerai pas. Pour vous refaire le petit laïus, dans cette guidance, j'explique aux Scorpions qu'ils ont quelqu'un en face d'eux, qui est là, qui est attentif, qui a envie de leur donner de l'attention, qui essaie voilà, qui est là pour eux, quoi, qui a envie de prendre du temps pour eux, et qu'ils ont tendance, eux, à faire un pas en arrière en permanence, parce qu'ils ont peur et tout ça. Et donc, je conclue, au bout de quasiment 40 minutes de guidance, hein, parce que c'est à la toute fin, où je dis, bon, Scorpion, vous êtes chiant, quoi. Mais c'est pas méchant, c'était simplement pour dire, bah, c'est dommage, parce que moi, je vois que les énergies, elles sont belles, elles sont bonnes, elles pourraient être chouettes et douces, et en fait, bah, vous refusez d'aller vers ce truc positif, et vous restez dans votre marasme pourri. Bon, voilà. Apparemment, cette personne s'est focalisée que là-dessus. Tant pis pour elle, c'est pas mon problème. Mais voilà, je préférais vous le dire. Je suis quelqu'un qui dit des gros mots. Je dis les choses comme elles viennent. Hein. Des fois, j'annonce des mauvaises nouvelles. Bah, c'est comme ça. Je suis sans filtre. Ça plaît pas, mais c'est comme ça. Voilà, c'était le petit mot du départ. Pour continuer, merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos. Merci à tous ceux qui ont liké, commenté et partagé. Et merci à mes 1000 abonnés. Je suis trop fière. Je suis super contente depuis cette nuit. On a passé les 1000 abonnés, donc franchement je suis hyper heureuse, hyper reconnaissante. Franchement merci beaucoup. J'espère vraiment que mes guidances vous aident, en tout cas c'est le but, même si je vous dis des fois que vous êtes chiant ou que vous me fatiguez ou que vous êtes relou, voilà, j'ai rien contre personne en particulier, voilà, c'est juste les énergies qui font que. Donc voilà, donc franchement merci beaucoup. Et puis bah, je vous rappelle les Capricornes que si vous avez besoin d'une guidance privée, lorelaigoldenaille@gmail.com, vous faites un petit mail, et puis sinon vous avez la petite vidéo explicative qui vous explique comment faire et comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc, avec les 7 énergies de Colette Baron-Reid. Ok, bon, alors je vais parler des Capricornes qui ont quand même une spiritualité assez ouverte, assez développée. C'est assez rigolo parce que j'ai toujours cette histoire de triangulaire avec vous les Capricornes. J'ai une problématique de triangulaire qui date et qui dure depuis longtemps. Et on vous dit qu'il va falloir ouvrir les yeux là-dessus. Et je crois que c'est déjà sorti dans la guidance dernière ou celle d'encore avant, je ne sais plus. Mais alors, on vous dit qu'il faut fermer la porte. On vous dit, je crois que c'était déjà sorti dans vos énergies où on vous disait qu'il fallait casser une triangulaire. J'ai un signe en tout cas où je l'ai eu, c'est sorti et sur un lien de vie antérieure et tout ça. Je crois que c'était vous, mais j'ai un doute. Et on vous dit là, faut fermer la porte, faut arrêter. En fait, on vous dit que vous avez normalement la possibilité d'avoir une vision claire sur cette situation, mais que vous refusez de faire. Tiens, pardon. Bon, il paraît que quand on éternue, c'est la vérité. Vous refusez de fermer la porte. Vous voyez, on a le 3, le 6 et le 36 au milieu. C'est assez drôle parce que j'ai vraiment le passé, c'est le passé. Ferme la porte pour aller vers le futur. Tu sais que c'est ce qu'il faut que tu dois faire. C'est ce qu'il faut que tu dois faire. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses et c'est ce que tu dois faire. Je vais y arriver. Excusez-moi, il manque des mots. C'est n'importe quoi. En même temps, j'éternue. C'est tellement pratique. Alors, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'on vous met des gens sur votre route pour vous sortir de là, mais vous restez sciemment dedans. Est-ce que vous aussi, je vais vous dire, vous êtes chiant? Peut-être, on ne sait jamais. Non, mais en fait, vous vous enfermez tout seul. Vous êtes un papillon.
un papillon. Ma fille disait papillon quand elle était petite, elle me faisait craquer à chaque fois. Donc vous êtes un papillon et vous pourriez sortir, mais easy, hein, mais non. Alors, j'ai aussi, pour certains d'entre vous, j'ai quand même cette notion de reproduire des schémas répétitifs, même si ça fait pas du bien, mais on sort pas de sa petite zone de confort. On connaît, on sait. Pourquoi je vais aller vers quelqu'un de complètement différent quand je peux aller vers ce que je connais déjà, où je sais exactement le résultat? Je vais morfler, hein, mais c'est pas grave. Je connais. Voilà. Donc, on répète les traumas, on reste bien dans ce qu'on connaît. Hein. Surtout, on n'en sort pas, c'est pas la peine, hein, vraiment. Hein. Ok. Allez, avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Alors, si vous voulez vous mettre à la cartomancie, par exemple, ce jeu est super. Moi, je trouve qu'il est hyper parlant. Les dessins sont très beaux. Il est simple. Vous le trouvez sur son site, à Émilie de Dieu, directement. Et je le trouve vraiment très intéressant pour commencer. Je vous le dis parce que, en fait, moi, au début, quand j'ai commencé la cartomancie, j'ai galéré à trouver des jeux qui me parlaient. Il y en a que j'ai acheté qui me parlent, hein, mais qui sont très moches. Genre, l'oracle G, il est horrible, ce truc. Je sais pas... Il n'y a personne qui veut se pencher à faire un bel oracle G, quoi, parce que franchement, voilà, le Béline, il est horrible, original, je trouve moche comme tout. C'est que mes avis, hein. Donc, ne me dites pas non, t'es pas vrai, je m'en fous, c'est moi, je trouve ça moche. Ils en ont ressorti un, le Béline, je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, personne espagnole, je crois, parce que la consonance est espagnole de son nom, qui est super beau. Je sais qu'il y en a un autre, là, qui est sorti, je sais que Mélina Univers, elle s'en sert, il est hyper beau, très coloré et tout, je me tâte à l'acheter. Mais voilà, mais alors, l'oracle G, il est vilain, il est hyper parlant, mais il est vilain. Et celui-là, par contre, il est très joli. Les dessins sont très beaux et très parlants, c'est très simple. Et vous le trouvez sur son site à elle, hein, d'Émilie de Dieu. Elle ne le vend pas ailleurs, elle ne le vend pas sur Etsy et tout, je crois pas. En tout cas, moi, je l'avais acheté sur son site en direct. Donc voilà, les cartes sont souples, ça se prend bien en main, c'est vraiment pas mal. Bon, alors, on y retourne. Ami Capricorne. Oui, alors, oui, au passage, je ne suis sponsorisée par personne. Je fais de la pub parce que ça me fait plaisir et parce que, voilà, parce que, encore une fois, comme je vous dis, voilà, l'oracle G est hyper parlant, mais il est très vilain. L'oracle Béline, l'original, je le trouve tellement moche qu'il ne me parle pas du tout. Par contre, celui que j'ai acheté, je le trouve super. J'adore les cartes, j'en ai plus de 60. Enfin, j'adore les jeux et tout ça. Mais voilà, bah, quand on cherche, je me permets de vous dire ça parce que quand on cherche, des fois... Bah, à se mettre à se tirer les cartes et tout, bah, c'est un peu difficile des fois de trouver. Donc, c'est pour ça que je parle des jeux que j'aime et j'en parle systématiquement. Mais je le rappelle, je n'ai pas de cadeaux, j'ai pas de subventions, j'ai rien du tout de personne. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Voilà, au cas où. Bon, bref. Donc, on vous dit que vous êtes en plein doute. Et au-delà du doute, j'ai l'impression que vous bloquez une élévation. Votre spiritualité, vous bloquez en fait. Ouais. Alors, en particulier, si vous êtes dans un domaine de santé, de près ou de loin, donc la santé pure et dure, médicale et tout ça, mais tout ce qui est aussi parasanté et médecine alternative, on peut même pousser sur tout ce qui est hypnose, yoga, pilates, même coach sportif à la limite, voyez, on peut pousser jusque-là. Et en fait, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'hyper clairvoyant, avec des ressentis et tout, mais vous êtes quelqu'un qui bloquait votre élévation, parce qu'en fait, vous restez... bloqué dans votre relation pourrie, là. Ouais. Vous êtes complètement immature. Vous êtes complètement immature dans votre communication. Et ce qui fait que ça amène des conflits. Alors, je vous le rappelle, les énergies sont interchangeables, d'accord ? Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même vous. Alors, vous pouvez peut-être avoir une problématique vis-à-vis d'un enfant... Il y aura peut-être vous êtes peut-être en conflit avec l'autre parent de votre enfant. Il y aura peut-être des papiers à mettre en place. Ça peut vous causer des soucis de santé, des tracas et tout ça. Hein. Il peut y avoir des gros conflits vis-à-vis d'un enfant. Alors, ça peut être aussi des conflits qu'il y a pu avoir quand vous étiez enfant. Un divorce qui se passe extrêmement mal, par exemple, et qui laisse des traces. Ça peut me parler de ça. Ok. On peut vous dire aussi de laisser à l'écart les enfants, d'accord ?
En fait, là, avec la communication, mais pour là, moi, je vois vraiment les papiers, les trucs, mais en fait, je vois vraiment les affaires au sens large, vos affaires, vos relations, vos problématiques, en fait, voyez plus. Et en fait, pour moi, là, on est en train de me dire, les enfants n'ont pas à être mêlés à vos bordels, quoi, à vos tracas, à vos soucis et tout ça, à vos conflits. Ok. J'ai vraiment épargné les enfants. Voilà. Ouais. On vous demande de réfléchir. Hein. On vous demande de réfléchir, en particulier si vous êtes une femme ou concernant une femme. Ouais. Attendez, je vais décaler parce que sinon on voit rien. Peut-être que je vais peut-être pouvoir les mettre là. On va mettre là. Ok. Bon, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion vis-à-vis d'une femme, ou si vous êtes une femme. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui commence pour vous, qui va être plein de réussite, mais à partir du moment où vous allez enfin avoir la force d'être seule. Les Capricornes, je vous l'ai déjà dit dans une des guidances, en vous disant arrêtez de vous mettre avec n'importe qui, n'importe quoi, sous prétexte de ne pas être seule. Vous avez peur de la solitude, et on vous dit qu'en ayant peur de la solitude, vous allez toujours vers la facilité et vers des fois des gens qui sont pas sains, des fois des relations qui sont pas bonnes. Et en fait, on vous dit que vous perdez votre temps parce qu'en fait, oui, vous êtes clairvoyant, oui, vous avez la foi et tout ça, mais non, vous n'êtes pas stable en fait. Voilà. Alors qu'au finalement, on vous donne tous les outils pour l'être, mais vous choisissez toujours la facilité parce que vous crevez de peur d'être seul. C'est ouf, hein? Enfin, c'est ouf. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part quand je vous dis ça. C'est que c'est tellement puissant que je me dis, putain, mais comment vous pouvez rester dans votre truc et rester avec quelqu'un avec qui ça va pas, avec qui vous n'êtes pas bien, sous prétexte de ne pas être seul? Être seul, c'est pas la fin du monde, quoi. Puis c'est pas définitif. On vous dit pas, tu seras seul toute ta vie. Non, si vous voulez faire ça, vous rentrez au Carmel, quoi, je veux dire, ou vous faites prêtre ou curé, ou j'en sais rien. Et là, vous avez un vœu de célibat. Mais c'est pas ça. Et là, on vous dit, vous êtes seul, vous avez tellement peur de vous affronter vous-même, d'affronter vos peurs, vous êtes le papillon en cage, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous vous emprisonnez. Il y a une illusion au sein d'un foyer. Peut-être que vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, que vous avez eu des enfants et tout, mais qu'en fait, vous n'êtes pas du tout... Vous n'êtes pas du tout bien dans cette relation, en fait. Il y a quelqu'un de faux, là, dans votre relation. Et vous le savez, hein. Mais vous dites rien pour pas être seul. C'est marrant parce que j'ai un nouveau départ vis-à-vis d'une femme aussi. Je peux avoir un nouveau départ vis-à-vis d'une femme, de vous vers une femme, que vous soyez une femme ou un homme, oui, elle, hein, je vous l'ai dit, hein, moi, je suis femme, genre et femme, hétérosexuelle, donc forcément pour moi, la personne en face de moi, c'est un homme, mais si vous êtes une femme qui aimait les femmes, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, si vous êtes... Ça marche, d'accord ? Un homme qui aime les femmes et une femme qui aime les hommes, ça marche aussi. Voilà, je fais pour tout le monde, moi. Si vous êtes gentil et bienveillant, vous êtes bienvenue. Les autres, passez votre chemin. Ouais. Et donc, en fait, vous restez dans ce foyer dans lequel vous n'êtes pas bien. Vous donnez l'illusion que c'est stable, mais alors, pas du tout. Et en fait, vous êtes en train de louper quelque chose. Vous êtes en train de louper un nouveau départ avec quelqu'un avec qui ce serait positif pour ne pas être seul. Parce que vous flippez. Donc, plutôt que d'aller vers votre destinée, vous vous sacrifiez. Voilà. Alors, on peut parler d'un signe du scorpion vers vous, hein, mais ou de la balance. Hop là. Ouais. Vous restez dans une union merdique pour pas être seul. Vous allez vers des gens inutiles pour pas être seul. Alors que vous avez une nouvelle union qui s'annonce, pleine de réussite, mais non. C'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais, vous avez dit... Oh, eh non, mais... Vous avez décidé de rêver votre vie. C'est bien. Mais vivre votre vie, ce serait pas mieux? Ou vivre votre rêve, ce serait pas mieux? Non, vous restez dans l'imagination. On peut vous dire que... alors, soit vous, soit la personne en face, c'est quelqu'un de très créatif. Mais quand je parle de la personne en face, je parle pas de la personne avec qui vous êtes maqué. Je parle de la personne avec qui vous pourriez être heureux.
un artiste ou une artiste ou voilà, quelqu'un qui est qui est dans le monde de l'imaginaire. Et on vous dit que vous vous mettez en échec vis-à-vis de ce nouvel amour. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait effondrer ce que vous avez construit qui est pourri, hein, qui est pourri, de vous donner une chance avec cette personne, mais non, vous restez enfermé. Voilà. Voilà, voilà. Ouais. En fait, on vous dit que pour qu'il y ait du changement, pour qu'il y ait une élévation et une révélation, ben, il faut couper. Il faudrait rompre avec ce qui ne va pas. Pour aller vers le bonheur. Ben oui, mais non, ben vous voulez pas y aller. Alors, de toute façon, qu'est-ce que je vous dis ? Ça, vous êtes un peu... Ouais, vous aussi, vous allez vous prendre un truc pas sympa dans les dents. Parce que voilà, vous m'agacez. Vous m'agacez, les Capricornes. Voilà. Je vous aime bien, mais vous m'agacez. Donc, je sais plus comment elle s'appelle. Joanne, je crois. Joanne, si tu passes par là. Il y a quand même moyen que je dise aux Capricornes qui sont chiants aussi. D'ailleurs, ça pourrait être rigolo que vous alliez vous abonner à sa chaîne, parce qu'elle a 6 abonnés. Ça peut être sympa. Voilà, c'est une chanteuse apparemment. On pourra lui faire un peu de pub. Ça adoucira peut-être son cœur. Mais bon, bref. Non, ouais, les Capricornes, en fait, ce qui est terrible, c'est que là, à l'heure actuelle, vous vous laissez gouverner par vos peurs. Vous vous laissez gouverner par ça. Résultat, vous, au lieu de de prendre le temps d'être seul avec vous-même, de faire le travail que vous devez faire. Alors encore une fois, le travail, c'est pas beau, mais c'est réel, c'est-à-dire de vous pencher sur vous, d'apprécier d'être juste en votre propre compagnie. Ça veut pas dire de vous couper du monde. Je suis pas en train de vous dire, encore une fois, de faire l'ermite et d'aller vous retirer au fin fond d'une forêt. C'est pas ça. Mais en fait, vous avez besoin d'être seul pour justement vous confronter à vous-même. Vous avez peut-être besoin de pleurer, de crier, de... Vous avez besoin de lâcher, mais vous avez besoin d'être seul. Vous pouvez pas le faire à deux, c'est pas possible. Vous avez besoin de vous regarder dans votre miroir et de vous dégoûter et de vous aimer et de vous engueuler et de vous faire sourire et de... Voilà, vous avez besoin de ça. Et vous voulez pas le faire parce que ça veut dire d'aller creuser au fond de soi. Ça veut dire aller soulever le tapis sous lequel on a foutu toute la merde qu'on a nettoyée chez soi et passer le coup d'aspirateur. Et vous voulez pas passer le coup d'aspirateur. Le problème, c'est qu'encore une fois, tant que vous le ferez pas, vous allez vous retrouver avec des situations de merde, avec des hommes ou des femmes qui vont pas vous rendre heureux ou heureuses, qui vont vous faire du mal, sciemment ou non, jusqu'à ce qu'un jour vous ouvriez vos yeux. Ou alors, vous allez passer à côté de votre vie. Et c'est tellement dommage. Il y a des gens autour de vous, en tout cas, il y a une personne apparemment qui est là et qui est pas là pour rien. On est sur une relation destinée et vous êtes en train de laisser passer cette personne parce que vous manquez de courage. Et c'est dommage. Et encore une fois, on vous dit pas d'être courageux, d'aller battre un dragon. On est en train de vous dire de vous regarder, vous, dans une glace et de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec vos traumas. Et la seule ennemie, le seul ennemi que vous rencontrez à l'heure actuelle, c'est vous-même. Et donc, voilà. Donc, on pourrait créer quelque chose et s'enraciner. Bah, à la place de ça, on a de la merde. On a du désert, on a de la stérilité. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous êtes l'ennemi... Oh non, mais regardez, je peux pas faire mieux. Vous êtes l'ennemi de vous-même. Vous êtes l'ennemi de vous-même. C'est ouf, hein. Vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre énergie tierce. Elle est pas mal, celle-là, fallait la faire, hein. Bon. Alors, ça, c'est pour certains, pour d'autres. Mais je pense que vous serez extrêmement liés à tout ça. Hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une énergie tierce depuis très longtemps dans une relation qui fout la merde. Et on vous dit qu'il va falloir couper pour enfin partir sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a une énergie tierce qui vient foutre la merde dans votre relation. On a toujours cette symbolique de la triangulaire, hein. Mais ma première lecture, c'est que vous êtes votre propre ennemi. Hein. Bah, d'ailleurs, la triade ne veut plus me parler. Elle veut plus me parler. Ouais. Elle me dit qu'il faut mettre fin. Bah, elle dit faut mettre fin à ça. Faut mettre fin à ça. Voilà. Et aller vers la lumière. Ouais, ouais, c'est ça. Encore une fois, on vous dit, on vous guide systématiquement vers la lumière et systématiquement vous retournez dans le noir. C'est un truc de ouf. Hein.
Alors après, on sait que le Capricorne, votre quinte au tarot, c'est le diable, d'accord? Mais en fait, plus que le diable, c'est qu'en fait, vous avez quand même cette part d'ombre chez vous, le Capricorne. Et non pas que vous êtes un mauvais signe, hein, pas du tout, hein, mais vous avez cette part d'ombre qui est quand même ancrée chez vous. Et le problème, c'est que, à mon sens, vous allez être amené en permanence à vous combattre, voyez? Vous êtes hyper travailleur. Au même titre que vous pouvez être hyper feignant. Vous allez être hyper loyal, mais au même titre que vous pouvez être complètement filou de l'autre côté. Vous voyez, vous avez cette espèce d'ambivalence, vous avez toujours un côté lumière et un côté ombre, à mon sens. Après, ça correspondra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Vous êtes très brillant, mais vous ne vous donnez pas la possibilité. Voilà. Alors, et en fait, là, vous avez la clairvoyance sur votre situation, vous savez ce que vous devriez faire, couper, vous êtes au milieu, couper avec ce qui est pourri pour aller vers la lumière, ce qui est destiné. Mais non, vous ne le faites pas. Voilà, on vous parle de quitter. Quitter, choisir, de changer. Voilà. On vous dit quitter, choisir quelque chose qui est ancré depuis très longtemps, de changer. Bah, vous ne le faites pas. Épurer une situation, communiquer sur la situation pour l'épurer et pour avoir la réussite. Bah non, à la place, vous tournez le dos, vous préférez pas. Ah, vous cherchez midi à 14h. Alors ça. Oh, bah ça. Alors là, on vous arrête plus, là. Et on cherche, et on farfouille, on regarde des vidéos, et on lit des bouquins, et des machins. Ouais, non, mais en fait, à la base, la réponse, vous l'avez déjà. C'est de se sortir les doigts et de couper. Mais vous le faites pas. Donc, en fait, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez continuer de vous renseigner pendant 400 ans, si vous voulez. Ça ne changera rien. La porte, il faut la prendre. Il faut la fermer, comme on avait tout à l'heure. Parce qu'il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme avec quelqu'un, mais il y a surtout une triangulaire à couper. Avant. Hein ? Résultat, bah, ça avance pas. Vous avez des relations qui sont stériles et vous avez surtout un gros problème de communication dans vos relations. Ouais, voilà. Donc, on construit rien, hein, c'est pas la peine. L'univers, bah, je t'emmerde, hein, voilà. Non, moi, j'ai pas envie. En fait, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Non, mais c'est ça qui est terrible. Alors, je sais, cette carte, c'est pas une carte du jeu, mais moi, je la trouve jolie, et puis voilà, et je l'ai appelée le Joker, ok? Donc, je fais ce que je veux. C'est moi qui interprète, je fais ce que je veux. On vous dit, on a un plan pour toi. D'accord? On va faire en sorte que tu sois spirituel, que tu aies des capacités, que tu sois sensible, tu comprennes des trucs et tout, ok? Et vous, vous dites non. Non, 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 moi je suis bien là. Viens, on a des... Non, je reste là. Mais on a prévu un truc. Non, moi je me sacrifie, je préfère, c'est mieux, c'est plus sympa. Voilà. Bah, bon, on vous dit quand même qu'il y a un moment où ça va vous péter la gueule, hein. Voilà. Oui, je dis des gros mots, hein, toujours. Ça, je ne change pas. Hein. Voilà, on va vous obliger à... Ouais, non, mais regardez, en plus, elle sort juste derrière. On va vous obliger à être seule. On va vous péter votre vie. C'est pas la première fois que je vous le dis, les Capricornes. On va vous péter votre vie. On va vous obliger à bouger. Le moment de tour, vous allez le prendre plein de tronches. Encore une fois, hein, je ne me réjouis pas de ça pour vous. Hein. Pas du tout. Mais vraiment, moi, je souhaite que tout le monde soit heureux. Moi je vis dans le monde des bisounours, moi, à la base, d'accord? Moi, je suis le bisounours avec l'arc-en-ciel sur le ventre. J'ai envie que tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien. Mais, il y en a, on a besoin de vous secouer. Donc, bah, je vous secoue. Voilà. Donc, je suis désolée si ça ne vous plaît pas pour certains. Hein, voilà. D'autres, je pense que vous avez bien compris que c'est hyper bienveillant de ma part. Je ne suis pas là en train de vous juger. Je ne suis pas là en train de vous dire que vous êtes des mauvaises personnes. Pas du tout. Je suis en train d'essayer de vous montrer... Pour ceux avec qui je suis connectée, en tout cas, la réalité des choses. Pour que vous puissiez changer et que vous puissiez... Enfin, quand je dis changer, c'est pas du tout au tout, mais en tout cas, évoluer pour que vous puissiez avoir une vie heureuse et agréable. Voilà. Après, bah, des fois, je vous dis des trucs pas très gentils, mais c'est pour vous bouger, en fait. Après, encore une fois, hein, moi, je suis bélier. Hein, donc, clairement, la diplomatie, je fais un effort, mais bon, c'est pas trop mon truc. Hein. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas. Et quand ça me fait chier, je le dis aussi. Hein, donc, voilà. Hein, je suis tout à fait capable de pleurer de bonheur comme je peux pleurer de rage ou de tristesse. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, donc j'ai pas de demi-mesure. En plus, je suis hypersensible, donc autant vous dire que ça envoie du pâté. Mais voilà,
Mais là, en fait, ce qui est terrible, c'est que je vois que vous pourriez être tellement heureux. Il y a pas grand-chose. Alors, pas grand-chose. Évidemment, un travail sur soi et de se confronter à ses blessures, c'est énorme. Mais en fait, vous êtes à pas grand-chose d'avancer, d'avoir quelque chose de bien, de débloquer les situations. Et non, vous préférez rester bloqué dans vos trucs pourris. Et ça me fait, bah, ça me rend ouf parce qu'en fait, ça me fait de la peine, en fait, de voir dans quoi vous restez là, un truc pourri, alors que vous pourriez vraiment être heureux, quoi. Donc voilà, hein. Après, moi, je suis une vraie énergie féminine, hein, donc je suis complètement perchée, hein, je vous le dis. Les cucus, les petits oiseaux, l'amour inconditionnel et tout le bordel. Hein. Bon, alors, on vous parle d'un rapprochement avec quelqu'un sur une invitation inattendue ou possiblement quelque chose d'écrit. Ou il y a peut-être quelqu'un qui va tenter un rapprochement. Ouais. Quelqu'un qui est marqué dans votre futur, en fait. Mais quelqu'un que vous fuyez. Vous êtes dans l'hésitation vis-à-vis de cette personne. Pourtant, vous avez envie de rejoindre cette personne, mais bah, vous n'y allez pas. Alors, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, d'accord? Mais voilà. En plus, franchement, ça doit vous rendre dingo, hein. Vous avez le cul entre deux chaises en permanence. C'est un truc de dingo. Hein. J'y vais pas. J'arrête pas. J'ai envie, mais non. Ça va le masque? Vous arrivez à respirer avec? Parce que moi, je trouve que c'est pas très pratique, hein, je vous le dis. Ouais, donc bah ouais, voilà. Alors, en particulier, on va parler des signes du cancer ou de la Vierge. On peut parler aussi de la période du cancer, donc c'est-à-dire juillet jusqu'à la Vierge, donc septembre. On peut vous dire qu'il y a une rupture qui a eu lieu donc sur l'année précédente, ou qui va arriver, ou un recontact sur les périodes là qui arrivent. Mais dans tous les cas, en fait, moi, je vous sens malheureux. En fait, je vous sens dans le contrôle de vos émotions. Mais alors, j'ai envie de vous dire, là, ça colle pas. Pourquoi? Le cancer est un signe ultra émotif. Mais ultra émotif. C'est un des signes les plus dans l'émotion de tout le zodiaque. Et vous avez la Vierge qui est dans un des signes les plus contrôlants de tout le zodiaque. Donc, on a là, en fait, c'est pour ça que je vous disais, ça vous rend complètement schizo, hein, en fait. Hein. Encore une fois, je ne mets pas de diagnostic, je ne suis pas psychiatre, voilà, mais c'est des expressions. Ça vous rend complètement schizo. Parce que vous ressentez quelque chose d'hyper puissant pour quelqu'un, et de l'autre côté, vous refermez. Donc, ça vous brise, hein. Ouais, bah ouais. Ouais. Et ça se passe comment? Vous avez hyper peur de vous engager avec cette personne. Vous avez peur de l'engagement en général. Résultat, vous flippez alors qu'on vous dit que c'est totalement réciproque. C'est un truc de fou. C'est totalement réciproque. Il y a un éloignement qui est fait et on peut vous parler du signe du scorpion ou des signes d'eau plus généralement, parce qu'on a quand même le cancer et le scorpion qui sont des signes d'eau. On peut avoir le poisson aussi qui pourrait intervenir. Le scorpion, on est sur le mois de novembre, donc peut-être qu'il va y avoir du mouvement sur le mois de novembre, mais on vous dit que vous vous êtes éloigné, quoi. On peut aussi, par extension, parler de quelqu'un qui est lié à l'eau, parce qu'on a quand même cette notion d'eau qui ressort. Mais vous voyez, vous manquez à cette personne, mais vous voulez pas y aller. Bah, je peux pas vous dire mieux, moi, les capricornes. Si vous y allez pas, je peux pas y aller pour vous. Allez, avec le chakra. Ça, c'était l'Astro Crush. On va partir avec le chakra du cœur, Isabelle Serre. De toute façon, je vous mets toutes les références en description, hein, vous le savez. C'est vrai que je n'ai pas forcément dit pour tous ça, mais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra du cœur?
Alors, ouais, c'est ça. Voilà, donc on vous dit, le problème, c'est que comme vous ne voulez pas faire le taf sur vous-même, vous ne voulez pas vous retrouver face à vous-même, vous ne voulez pas vous mettre à nu vis-à-vis de vous-même, et bien on vous dit que, possiblement, vous souffrez d'une blessure de l'abandon ou du rejet, parce que pour moi, elles sont quand même très liées, et je vous sens très en énergie masculine quand même, là, les Capricornes, donc plutôt le rejet, possiblement, et donc, bah, vous fuyez la relation. Voilà. Vous fuyez la relation. C'est dommage, parce que ça pourrait être cool. Et ce, malgré votre troisième œil. Hein. Encore une fois. Hein. Voilà, les petites peurs mignonnes. Mais vous avez des signes. Ah, mon Dieu. Mais c'est tellement ça. Bon, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, une différence tout court. Hein, voilà, d'âge, de religion, de culture, de socio-professionnel, de ce que vous voulez. Il y a une différence entre vous deux. Ouais, voilà. Alors, vous avez fait votre choix. Et a priori, vous êtes un petit peu viandé. Voilà. Bah oui, il y a un goût d'inachevé parce que vous êtes dans le contrôle. Et que vous n'êtes pas allé vers cette personne. Mais il y a un nœud karmique avec cette personne de toute façon. Donc en fait, dites-vous que si vous ne réglez pas ça là dans cette vie-là, vous allez devoir le régler plus tard. Mais vous, vous vous barrez. Voilà. Bon, on vous dit qu'il y a un truc inattendu qui arrive là. Là, vous avez rompu avec cette personne. Ouais. Pourtant, on vous annonce quelque chose de beau et de bien. Franchement, c'est dommage. Parce que vraiment, ça pourrait être une vie vraiment géniale, quoi. C'est vraiment tellement dommage de voir ça. De voir à quel point vous gâchez le truc, quoi. Alors, encore une fois, hein, vous pouvez être Capricorne et que ce soit la personne en face de vous qui agisse comme ça. Vous pouvez être aussi une personne d'un autre signe qui est regardée pour un Capricorne. Ça marche aussi. D'accord. Voilà. Mais quel dommage. Alors, si vous regardez, alors si vous êtes Capricorne, vous regardez pour quelqu'un et que vous reconnaissez cette personne dans ce que je viens de dire. Si vous êtes quelqu'un d'un autre signe et qui regardez pour un Capricorne et qui vous retrouvez qui comprenez ce qui se passe là-dedans aussi, je sais plus ce que je voulais dire. Ah ben, je suis perdue. Bon, ben voilà. J'ai l'oreille droite qui siffle. Bon, ok. J'ai quelqu'un en face de vous qui peut être chef d'entreprise à son compte. J'ai quelqu'un qui a envie de vous inviter. J'ai quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. Mais qui ne le fait pas. Qui ne le fait pas parce que vous l'avez bloqué. Donc, je sais même pas pourquoi. J'arrive plus à me souvenir ce que je voulais vous dire. Hein. Ça vient plus. Bon, bah, et en plus, alors ça, c'est l'oracle du masculin, pardon, de la chaîne L'Oracle et l'Oracle au quotidien. Elle a son site internet où vous pouvez acheter ses jeux. N'hésitez pas. Moi, je les trouve magnifiques. Ils sont hyper parlants. Mais là, il ne veut pas me parler, celui-là. Donc, je pense que la seule chose qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses, mais qui ne le fait pas parce qu'en fait, vous l'avez bloqué. Ouais. Bon, ok. Allez. D'habitude, il parle celui-là, mais là, hein, il ne m'a pas parlé du tout. Avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on vous dit « Je viens vers toi et partager ma vie avec toi ». Vous avez quelqu'un qui a envie, hein. Vous avez quelqu'un qui a envie, hein, être en couple avec toi. Il y a quelqu'un qui a envie de se mettre avec vous, mais c'est vous qui bloquez. Donc, bon. Ok, allez, on finit avec le Golden Precision pour avoir quelques précisions. Je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est juste un petit truc en plus, histoire d'avoir quelques infos. Hop. Allez, on va regarder. Donc, on a le chiffre 6, le chiffre 3, on a la balance, on a le gémeaux, on a la vierge qui revient, on a le mois de juillet, on a les lettres J-I, le 7, le verseau, le A, le mois de janvier, le Y, je rigole. Ah là 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 là. J'ai envie de rire, je sais pas pourquoi. Allez, le 8. On va essayer d'avoir deux cartes pour conclure, pour avoir un joli tableau. Et une et deux. Allez, c'est parti. Quoi. On a le H et le 5.
Voilà, voilà, mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vraiment, ça m'aide et ça me fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Franchement, merci beaucoup à vous. C'est beaucoup de joie pour moi, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Donc franchement, merci, 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 merci. N'hésitez pas pour une guidance privée pour vous ou à offrir. Vous me faites un petit mail en lagoldenaire@gmail.com. Et puis, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Et keep cool and love. Mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ouais, pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de.